مناسبة بيسموها يوم الغفران. بهذا اليوم صار يعني شبه متعارف انه ممنوع حدا يمشي بسيارته. مع انه مش قانون يعني في الدستور او في الكنيسة، ولكن هذا مرة في السنة ولا؟ هذا مرة في السنة، هذا شيء يعني احساس انك انت خلاص انا بشعر معك انه بغلفش عليك في عيدك او في مناسبتك، ولكن مش ممنوع انه انا بمشي في سيارتي. لسه اللي بيصير انه اولاد رمية هاي القرية اللي هنا اللي هنا ما يقارب 70 طالب تقريبا، ممنوع 30 طالب او اكثر شوي، ممنوع الباص او الحافلة او السيارة تيجي تاخذهم. ليه؟ لانه ممنوع تفوت على كرميل. ليه؟ لانه في عيد اسمه عيد الغفران عند اليهود، ممنوع من عبادة العرب يغلطوا عليه. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Israéliens ont souvent aussi la gentillesse de faire partager leurs fêtes et leurs commémorations. Donc il y a une fête, c'est l'Aïd el-Ghufran, je ne sais pas c'est quoi en français, une fête religieuse juive. C'est la fête du pardon. La fête le grand pardon, ça. C'est Yom Kippour. Yom Kippour. Ah, d'accord. Ah, ah, Yom Kippour. Yom Kippour, dans Yom Kippour, voilà, donc les juifs n'ont pas le droit de prendre la voiture, n'ont pas le droit de se déplacer, etc. Et ils imposent ça aussi aux autres... les habitants. Donc ce qu'ils disent, c'est que nous, tout ce qu'on demande, c'est que de respecter, on respecte leur religion, la religion de nos cousins. On demande juste que voilà, respect qu'on a nous aussi les différences religieuses, on n'est pas forcément obligé de les accepter de manière dictatoriale comme ça. Et sauf que dans ces cas-là, ils n'ont pas le choix. Et donc tous les il y a plus de 30 étudiants ici qui ont besoin de se déplacer en soit en voiture, soit en bus pour aller faire leurs études, et que eux, pendant ces périodes de fête, n'ont pas le droit de sortir et d'aller prendre, de traverser la ville, sachant que c'est le seul moyen, en motorisé. يعني احنا بنحكي عن شيء اسمه حقوق. نو بارل دو شو سام سي سي سابل لي دووا. يعني اليوم احنا بنعرف انه في هاي دوله، في هي دوله لكل مواطنيها، زي ما هو مكتوب في وثيقه الاستقلال مكتوب هناك ان اسرائيل لكل مواطنيها، ما في تمييز بين ابيض واسود، بين ذكر وانثى، بين جنس ودين وعنصر. هاي الاشياء موجوده بوثيقه الاستقلال مكتوبه هي، بس هل ترى تتطبق بالواقع؟ ومثال على يوم كيبور في أولاد رمية، ليش إنه أولاد رمية يحرموا من التعليم حق وزارة المعارف إسرائيل في تعليم إلزامي في هذه الدولة؟ Et Israël, pendant pas son temps, notamment lorsqu'il a, il y a eu sa déclaration d'indépendance, pas sa constitution, mais sa déclaration d'indépendance, a parlé d'un État ouvert, fidèle aux valeurs d'ouverture, de respect, de tolérance, d'autrui, etc. Et dis-nous, la seule chose qu'on demande, c'est dans ce cas-là, pourquoi sur le terrain, malgré les déclarations, on voit tout simplement l'inverse, où toutes les personnes, notamment qui ne sont pas juives, et notamment ceux qui vivent dans les villages non reconnus, mais aussi ceux qui vivent, les Palestiniens en général, n'ont aucun droit, et leurs droits les plus légitimes n'existent pas, quand bien même les déclarations d'ouverture, etc., sont sans cesse rabâchées, prononcées. يعني هني مش معترفين فيهم ولا معطيهم حقوقهم انه يظلوا محلا. اخرى تمنعوهم من التعليم انه يروحوا يتعلموا في هذا اليوم اللي هو حق له، مع العلم انه في وزاره المعارف في عندها قانون في هاي البلاد اسمه قانون التعليم الالزامي، يعني ممنوع انت تمنع ولد من صف اول لصف 12 انه يروح على المدرسه، ما يروحش على المدرسه، لازم يروح يتعلم. من ناحيه انت بتسن قانون، ومن ناحيه انت تمنع في يوم غفران ممنوع يتعلم. يجيز فوالا نو ici par exemple les habitants de ces villages là n'ont seulement pas le droit d'être ici, leurs villages sont non reconnus, eux-mêmes en tant que citoyens à part entière, leurs droits les plus légitimes sont même pas reconnus. Il faut savoir quand même que le ministère de l'éducation nationale israélien a imposé une loi, il y a une loi qui existe, qui est comme celle de France, c'est que la scolarité elle est obligatoire pour tous les citoyens jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc au bout du compte, on se rend compte que dans la loi, tous les citoyens israéliens doivent être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans, et qu'on se rend compte qu'ici, rien n'est offert ou aucun service scolaire n'est offert pour ces enfants-là, et y compris les moyens de transport pour les emmener à l'école pendant les fêtes, etc., n'existent pas. Et donc encore une fois, c'est un autre exemple de ce qui est marqué dans la loi et l'application après dans les faits.